Monsieur, dame, la société nous mêle. Dans le moment parler là, bandit vivant sans yo a planifié pour connaître qui Jean yo va écraser pays, bouler pays, rapéter sous compte conseil présidentiel pour transition. Bandit yo attaqué par les national, dans le moment parler là, c'est mélangé, bah la compliqué dans le pays machin bas là, coup zam fait mikalao en bas dans le pays machin bas là, kafou aéroport Village Solidarité, c'est pas parlé. A tout ça passé, tout de suite après, conseil a fini publié dans le journal Le Moniteur. Ça plus grave là, l'administration Joe Biden dans lui-même, elle garde conseil a publié dans le journal Le Moniteur, rapide vite, il décaissé 60 millions de dollars américains pour force multinationale là, qui a entré dans le pays d'Haïti pour combattre gang. Là, Jésus Chita, je vais aider à comprendre. C'est ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Je vais nous plus de détails avec précision pour nous connaître qui va pour nous garder, pour nous connaître qui va pour nous faire. Parce que, parce que nous parlé déjà, il a dit n'importe ça pour arriver là, c'est sous compte conseil présidentiel pour transition qui est neuf mois blanc. T'as de causer? Eh bien, ou même t'as tombé sur la plateforme ça, nous c'est pour Audition 69. Je vais demander pour abonner, like, peser sous cloche notification. Retirez sous personnalisation sous tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Tendez bien, amis auditeurs auditrices, n'importe droite dans dossier d'actualité jodi a la. Bandi vieux sam yo pendant que tendez là, yo attaqué plusieurs côtés dans la capitale là. Kafayo po, Village Solidarité, Jean Mas, coup de balle a tiré dans direction palais national. Bandi yo sermenté. Faut que vous preniez contrôle du palais national. Parce que, les regardez, conseil de transition, et pas dans le cap grillé, il a fait tout bon. Les regardez, yo ouais, conseil présidentiel pour transition, il publie dans le journal du pays d'Haïti, qui c'est le moniteur. Ben, Dieu dit, ah, nous avons 6 ans de grillé avec les sa yo. Si nous sommes sérieux, je ne vous ai pas nous sérieux tout. Yo attaqué. Yo s'est menti, faut que vous preniez le palais national. Sous quoi menti, on a qui j'en saye dans le périmètre de la on a attendu quand c'est bel qui a pété. Après, on va tourner pour plus de détails.
grand monde toujours dit tendez à quoi c'est deux bagages différents. Ça ou sont tendez là, ça ou sont gardez là, c'est dans périmètre chaîne masse là. Bon, m'a regardé là, ça qu'a passé. Entendez, nèg barbecue yo même. Yo qui t'ont attaqué Badelma. Situation vraiment compliquée pour matin samedi 13 avril 2024 là. Gang vivant ensemble yo envahi Kafou aéroport Delma 28, Delma 11, Delma 9, Delma 17 et Delma 19. Depuis après publication décret conseil présidentiel pour transition dans journal Le Moniteur, coup de balle passe suspend chanté dans capitale là. Hier là, balle tellement tiré après bandi yo fin garder dans Le Moniteur ouais journal là, yo publié décret conseil présidentiel pour transition. Oh, bon poisson mouri. Oh, bon poisson mouri. Le m'a gardé poisson mouri, ça fait mal. M'a gardé un policier qui a ben ensemble. M'a gardé là, il prend derrière il prend balle dans le smack li. Hein? Il baille sans tout nané. Il bat en uniforme. M'a gardé des gros maro blanc sous lui, il porte en jeans. Hein? Poisson mouri, c'est après journal Le Moniteur fin publié. Décret conseil présidentiel pour transition. Yo commence bal commence à péter là. Hein? Tendez bien. Posez mouyan mais sur écran. Si li rele Pierre Fritz Chenet. Li tombe en bas bal bandi tout près l'hôpital Benamez là. Hein? Action ça passé. Dans quelques heures après décret a fin publié dans journal Le Moniteur. Hein? C'est grave, oui. Pendant la police a tapé sur les proches, li nan vle la solidarité. C'est même intense ça. Même moment, attaque faite. Et puis tout, police sa prend balle. Ce so, police qui sorti dans la 28e promotion PNH là. Il tape travail dans l'aéroport. Gonzan qui me connaît. Mais on est qui tellement sage. L'arrivée dans l'aéroport, il me dit que les amis pas me côté ou parking, mais là, il espace de parking dans l'hôpital. Tellement monsieur sage. Mais malheureusement, il était dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment, et puis tout laisse un bandit venir attaquer pendant la soirée en proche, il y a une neuve de solidarité, et puis tout bandit yo. Tout tiré. Hein? M'a gardé ka ben ensemble. Et famille qui perdit. Hein? C'est grave, oui. Bon, m'a tendé pour matin là. Quand c'est nèg yo exam, quand faut filer là, hein? Tout près village solidarité. Il va jeter nous. On va dire nous, attendez bien. Office sécurité souterrain li rapporté citoyen. Attendez bien, li rapporté situation sécurité a gen quantité nèg exam kagoulé environ 100 nèg dans zone commissariat portail Léogane. Direction palais national. Tenez bien, et pas moi qui parle nous, c'est officier sécurité souterrain. C'est une entité qui annonce cette nouvelle là, il dit qu'il y a une quantité de exam qui cagoule. Il dit c'est environ 100 monde. Il y a avec exam manche longue dans meyo dans zone commissariat Porta Léogane qui prend direction palais national. Il mandé tant pis, évitez zone. Et évitez zone non jusqu'à ce que nous recevoir une autre information. Ça veut dire bandi cementé par les nationaux, faut que vous preniez. Yo te dit ça, pas rien qu'a fait dans pays là, pas aucune décision qu'a prendre dans pays là sans vivre ensemble la donne. Bandi vivre ensemble, il a préparé pour prendre pays national, il a préparé là pour bouler pays là. Pendant ça, femme ou bien, administration Biden, non. L'el gade, décret ça, publié dans le journal Le Moniteur, rapide vite, le man gade sous Miami Herald, il fait qu'on est, administration Joe Biden, non. Li décaissé 60 000. Et bah, tu quoi, je non? 60 millions. 60 millions de dollars. Et il décaissait comme ça là pour supporter
force multinationale pays Kenya qui a pour entrer dans le pays d'Haïti pour venir combattre gang yo. L'aime 60 millions. Et pas million good. Mais plutôt c'est million dollars. N'a gardé Miami Herald. Biden ordonne le déblocage de 60 millions de dollars pour la mission dirigée par le Kenya visant à aider, attendez bien, à aider Haïti à combattre les gangs. 60 millions de dollars ça, administration Joe Biden non décaissé, c'est pour voyer participation pâle pour force Kenya qu'a entré. Et l'agent ça, la plat pour acheter matériel. Tout de suite après, arrêté qui sorti dans le journal officiel pays d'Haïti, qui c'est monité, Biden avec équipe li, pas de printemps, dit tout pour te réagir. Président Joe Biden approuvé hier vendredi qui c'est 12 avril là. Et dès que c'est comme ça que c'est 60 millions de dollars pour commencer à acheter matériel et équipement pour déploiement force multinationale là dans le pays d'Haïti. Malgré responsable financier dans le Congrès américain, pas d'accord de que c'est 40 millions de dollars sur 100 millions Congrès a été promettre là. Mais Biden utilise pouvoir exécutif là Bali, parce que c'est président. C'est président. Il prend décision ça pour décaisser 60 millions pour le voyer comme support pour acheter matériel pour Kenya qui entre dans le pays d'Haïti. Pour Biden, le contourner résistance Congrès américain ta faire. Là yo pas de vle décaisser l'argent pour financer force multinationale là. Et tout ça nous sommes de m'a dire là, c'est pas vraiment vous mouté. Ce que je me dis nous même dans production 69 nous pas faire nouvelle, c'est pas nouvelle nouvelle, nous lis ça sous Miami Herald qui sont journal qui très crédible dans monde là. Ça veut dire là, c'est conseil présidentiel là d'Abtan pour l'argent qui a décaissé. Et dans le jour qui a venu là, conseil là pour installer dans le pays national. Est-ce que Bandi Vincent Mio a d'accord pour conseil ça installer dans le pays national? Jusqu'à présent, vous connaissez parce que dans le mois parlé là, policier IRGPN, Itag a goumé avec Bandi Vincent Mio. Il a prié pour ces bandits pour bandits pas prendre contrôle. Palais national. Tendez bien. Et pas seulement j'ai ça qui fait, non? Oh, m'baibanouze. Non, moi, on va parler là. C'est le on sous OPS, OMS, Haïti. Il fait qu'on est Haïti recevoir aide. Bon, ni pour nous. Pour aider les autorités sanitaire d'Haïti a fait face à la crise sanitaire actuelle en raison de la destruction de plusieurs infrastructures et par des bandits. Récemment, OPS Haïti vient de recevoir au Cap Haïtien 15 tonnes de fournitures médicales en provenance de sa réserve stratégique. Cette opération est réalisée en collaboration avec WFP et UNHRD et le soutien de EU ECO. Par contre, ça, c'est que ça, on veut dire, même l'île, je le dis. Ça veut dire là, c'est tout ça qui est entré aujourd'hui là. Nous tous connaissons un problème médicament sur le territoire. À cause de Bandi Iso, Bandi Vincent Mio, boule plusieurs pharmacies dans la capitale.
C'est pour laquelle nous avons 15 tonnes. Ça qui entre là, qui a des médicaments là-dedans. Hein? 15 tonnes. Ils entrent au cap, parce que c'est au cap qui a un voyage. Au cap qui a un voyage, ils entrent là. Hein? C'est question de médical. Hein? C'est 15 tonnes. Et 15 tonnes de fournitures médicales en provenance de sa réserve stratégique. Et ceci, le fait qu'on ait envoyé ça, c'est en raison de destruction et plusieurs infrastructures que les bandits ont boulé, crasé dans la capitale là, il y a un manque de médicaments. C'est pour laquelle OPS Haïti a demandé et puis tout, ils ont joué. Si pour ça, ils ont voulu 15 tonnes de médicaments dans le pays d'Haïti. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous inviter l'autre dossier. Vous êtes vigilants parce que dans le jour qui vient là, vous avez le pire que vous avant vous. Hein? On va en faire des malheurs. Mais nous songez, Babi, que tu dis comme ça. N'importe quoi arriver dans le pays, c'est sous compte du Conseil présidentiel pour la transition. Parce que les gens qui sont derrière là, ils ont publié des décrets dans les moniteurs. Et ceci, qui finit par la donne, elle connaît bandit vivant sans mieux. C'est amnistie à tonna. Non mais Guy Philippe, c'est Guy Philippe qui veut pour président pays là, de façon pour qu'à laver pour qu'à une blanc que la neige. Mais le regardez, c'est conseil 9 membres, le regard dans conseil là, Guy Philippe la donne. Guy Philippe domine yo, Guy Philippe petit bataille là, nous connaît bandit vivant sans mieux, c'est Guy Philippe qui tonna pour bayo amnistie. Malé, rendez-vous dans prochaine émission pour qu'à venir l'autre dossier. Pabli Chanel ça, c'est Production 609. Je vous demande pour like, abonner, payer sous cloche notification. Retirez le sous personnes mais sous toutes. Pour les nouvelles vidéos. Vous ne pouvez pas rater. Sur l'aéroport, ils ont regardé tout ce qui est sur l'énergie à travers le monde. Mais quand ils sont arrivés dans la construction tout l'arrière, et puis ils ont rendu compte l'aéroport international tout c'est l'ouverture. Nous sommes là. Pas répondre à normes internationales pour faire de lui un aéroport standard. Par contre, vous comprenez? Puisque ce n'est pas vous-même qui avez construit l'aéroport, hein, c'est pas son aéroport qui l'a depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a des réhabilitations qui sont faites au cours de l'histoire, au cours de l'existence. Mais les compagnies à venir, les compagnies qui ont construit tout de contrôle là, et puis ils arrivent au niveau pendant la avancée, ils gardent à gauche, ils gardent à droite. Les gens zone configurée, là c'est pas contre pour t'aller un aéroport international. Ou bien tout gens nous camper là, c'est pas un aéroport international. Aéroport international qui sont zones sensibles. Bien sûr. Hein? Ouais. Jean nous ouais des airports là et sous côté airport là, on comprend la guerre va qui va là. Compagnie et dit c'est pas un aéroport international. Cependant. Hein? Compagnie a dit gagner des interventions que nous sommes capables de faire au moins pour essayer quand même et gérer quelques bagages. Vous comprenez, même si ce n'est pas comme si résoudre le problème définitivement et puis le bon moment de faire de lui un aéroport qui réunit toutes normes standards. Non? Mais il pensait, on a parlé de compagnie, a gagner des interventions qui étaient faites au moins pour résoudre certains problèmes. Par exemple, dans la recommandation que la compagnie française a fait à Guerrier du Sol, il a demandé tout carrément. Un ensemble de cailles qui tout collé à l'aéroport là faut que tu retiré. Et qui s'en est le tout collé à l'aéroport là madame monsieur, c'est comme si son monde qui gon caille et puis c'est clôture l'aéroport là qui fait soit mula coule ou bien on partit dans caille là. Mais si bien comprendre si bien saisir ça me dit là mon n'a gen caille dans zone l'aéroport là mais mur l'aéroport là avec des clôture principale l'aéroport là. C'est lui-même qui fait on partit dans Kaila ou bientôt on partit dans micro principal là. C'est comme si il a décidé et de fait qu'on fait, il a décidé qu'on va à la boue là et puis le voyer là-dedans. Oui. Il a décidé qu'on fait track dans là et puis le voyer là-dedans espace là. Tellement lui-même avec et là c'est deux voisins. Tellement de proximité. Donc c'est ainsi que les recommandations sont faites par les autorités compétentes. Et puis il y a la direction générale ou bien l'administration d'alors des portes là, puisque ça n'a pas lié à la chambre qui est pratiquement 9 mois guerrier, qui est l'autorité municipale.
puisque l'airport là est dans la commune Tabar, il a parlé de l'autorité municipale, il a parlé tout carrément de cartel qui a dirigé la mairie Tabar. Il y a les responsables au niveau de la mairie pour regarder ensemble qui ça a fait, bien sûr, pour arranger, pour mettre au pas à recommandation compagnie. C'est ainsi que il y a des ententes qui étaient jointes entre eux et responsables au niveau de AAN et la mairie pour aller d'abord recenser ceux qui sont dans la situation, identifier, joindre des informations importantes sur eux et puis après ça, joindre un propriétaire pour pouvoir demander soit pour eux même craser ou bien bailler autorisation pour responsable dans l'État venir craser, bien sûr, avec possibilité de dédommagement. Donc, service de génie, service domaine, si vous voulez, au niveau de la mairie, allez, ils font premier recensement guerrier. Ils font premier recensement, ils ont identifié les cailles. Mais comme dans plus au niveau de l'État, tu as gagné une entente qui te joint pour au moins te bailler mon zayo, une allocation. Est-ce que tu as gagné l'allocation? Non, moi, mal choisi. C'est, même si on n'a pas un cob qui est capable d'estimer à l'argent qu'elle a de coûter, mais dans le premier moment, il y a eu dans l'époque où je parle à voilà là, donc tu n'as pas un cob quand même. Quand même, ouais. Il y a des gens qui ont dit bon, il va craser Kayo, parce que si on craser Kayo, il va laguer deux bras balancés, on prend ses malheureux, malheureux, et si pour eux, bon, ce qui est logique, déjà, dans un pays qui a un problème logement, il y a des gens qui ont gagné. Et deux morceaux et planches au côté qui ont des blocs, des rangées blocs qui montent. Donc, on ne peut pas aller un bon matin pour retirer la main. Ouais. Même si l'État n'a pas d'accord, il y a une passivité. Parce que si on regarde bien dans le commencement, on dit comme ça, les gens qui viennent construire, ce n'est pas ensemble qu'ils vont bon matin construire. Ouais. C'est un monde qui saute la Gvinfel, l'autre qui saute la Gvinfel, et puis progressivement, ils viennent faire spectacle ça. Même j'en étais pour Canara après tremblement de terre là. 6 mois après tremblement de terre là, c'est pas ça me dégaine dans Canara. Un an après, c'est pas ça me dégaine. Mais l'état tellement quitté l'aller, je dis à mettre ça Canara dans nous. Mais c'est presque même gens. Moun jounen jodi a nous estimer qui construit mal dans zone airport là, te bon là ou te commencé construire. Mais bon premier moun qui vini, li construit, pas gen personne qui dit là, hein. Bon deuxième moun qui vini, li construit, pas gen personne qui dit là, hein. Bon troisième monde vini jusqu'à ce que moun continue vini yon di l'autre et puis tabli là pas près plusieurs quartiers il y a plusieurs blocs et puis riel corridor tout collé avec yeah. Maintenant les côté moun sa yo après recensement la mairie bien sûr yo dit bon on connaît et par rapport avec porte là qui là faut jeune entente etc. Donc tu gon disposition que tu prends au pire au niveau l'état pour des ba moun sa yo on ba. Et bien ça arrive pour un raison, mais pour un autre guerrier de seul, comme Bajambay, et bien jusqu'à ce que l'État viré, il tourne, et puis le dossier vienne dans Tiwa. Cependant, il faut noter, tu as gagné 5 personnes volontairement, selon l'information que nous disposons, qui partent non seulement au bout de mes responsables, mais qui étaient d'accord collaborer, qui ont même accepté de craser Kayo pour qu'on porte la pardon, pour qu'on ait qui est-ce qui est là, qui est-ce qui parle là, qui est là, qui est là, c'est démolir toute Kay qui coule avec les portes là. Yeah. Donc, après réunion guerrier du sol, ils ont activé projet ça. Projet a gagné 3 phases, madame, monsieur. Mais il y a une phase urgente là-dedans, qui c'est la première phase. Et bien, première phase là, c'est peut-être les mêmes autorités qui ont expérimenté là. Ils visaient qui ça, guerrier? Ils visaient pour démolir, pour craser 165 cailles qui a maximum 6 mètres de mur n'importe là. Pas oublier, tout à l'heure, nous avons dit que si nous faisons river dans le bloc n'importe là, pas derrière, je le vois, non? Ou après, vous avez le corridor de l'entrée, il y a des cailles qui sont tout collées à n'importe là. Collées, mieux collées. Mieux tout collées et qui sont mieux font seul. Donc, dans la première phase du projet, gagner comme objectif pour arriver à craser Kaysayo qui a 6 mètres de mur à porte là. Cependant, il y a 8 Kay qui t'a doué même dans la deuxième phase là. Parce que le projet a gagné de seul, il y a entendu
pour écraser un ensemble de cailles, sorti de mur et porte là jusqu'à la route nationale. Okay. Mais première phase là, selon l'information nous disposait, il concernait 165 cailles qui ont même à environ 6 mètres le mur et porte là. Mais il y a 8 cailles qui ont été dans la première phase là, 8 cailles ça y est. Il y a plus que 6 mètres, oui. Mm-hmm. Mais c'est des cailles qui a étage. Ouais. C'est-à-dire, pendant que yo sous étage la caille, il y a tout les aéroports. Donc, sous plan sécurité, il vient poser un problème pour l'aéroport international pour cette ouverture. Mm-hmm. Donc, du coup, il y a tout rentré dans la première phase projet qui vient faire pour gagner 165 cailles plus 8 cailles qui vient voir dans ce moment-là 173 cailles. Mm-hmm. Maintenant, qui ça la mairie fait pour identifier Kaysayo? Qui ça la mairie fait pour capable d'avoir des informations exactes sur Kaysayo? Pabli en dit depuis 9 mois, projet a été en cours. C'est campé, le devine campé. Eh bien, depuis 9 mois, tout, la mairie a fait un recensement à travers le service génie et le domaine pour aller identifier Kaysayo et puis jouer des informations sur le propriétaire, etc. Mais, dans l'identification, dans la spécificité, il n'y a pas de gens qui disent que quand il y a tant de chambres, tant de salon, tant de manger, il est identifié par mètre carré. Mm-hmm. Par exemple, il doit dire tel caille, il y a son caille basse ou bien son caille étage, donc il y a tant de superficie ou bien tout le mesure tant de mètres carrés. Mm-hmm. Quand il y a là, les bas viennent réactiver là pendant le dernier moment là, l'Amérique, quand il y a là, vient faire 3 semaines après que il donne. Mais attention, comme zone ça, bandi acheter l'argent comptant pour capable perpétrer attaque au guerrier du seul. L'Amérique on y a là, li utiliser drone et utiliser repère GPS qui vient faire que le gagner des données supplémentaires pour ajouter à recensement de fait il y a de cela 9 mois et ces données ça au guerrier du seul que spécialistes ou bien techniciens au niveau de l'Amérique pour le partager avec des techniciens du ministère de l'économie et des finances à travers une retraite de 4 jours pour de travailler sur meilleure formule pour yo identifier Kaysayo et puis dédommager propriétaire. Marron, tu comprends? Oui, oui, ça veut dire il y a des techniciens au niveau du ministère de l'économie et des finances. Yo va aller sur place comme ça, il faut le noter. Mm-hmm. Ça veut dire technicien n'a pas là, il va aller sur place parce que nous songe pendant plusieurs semaines là Kaysayo n'a pas parlé la guerrier pour en pile là yo. Et ceci jusqu'à 80-90% mettre valade ou non? Yo vide. Mettre valade ou parce que bandit envahi Kayo pour capable faciliter yo gagner on vu souvle sous airport là. Mm-hmm. Qui a facilité que yo gagner airport là dans viseur yo plus facile. Facile, ouais. Bon paquet moun ki gen kayo dans zone là depuis les bandits ont envahi espace là ou bien plusieurs quitter zone là. Yo quitter. Mm-hmm. Donc qui vient faire que comme la mairie qui t'a fait un premier travail. Donc, dans le deuxième niveau, il n'y a pas sur les lieux. Donc, c'est avec drone. Et puis, il repère GPS pour identifier. Bah, et puis, il y a chita avec responsable au niveau de. Ok. Ah, oui, bon, information. Pabli, il me dit nous, ça m'a expliqué là, son bagage qui vient n'importe 9 à 10 mois. On y a dans l'intervalle, pas jamais rien qui dit encore, pas jamais rien qui fait encore. L'État vient de l'autre préoccupation, de l'autre bagaille qui intéresse. Ok, et du coup, ça a été comme ça. On y a là, dernière vague de violence qui a enclenché dans le pays, ya, à partir du 29 février 2024, là, côté, pour y a des attaques qui fait sous l'aéroport international, tout cette ouverture-là, plus d'une fois. Qui t'a pris pousser compagnie aérienne ou bien compagnie qui t'a vol sur Haïti ou campé vol yo, et du coup paralyser fonctionnement pour ne pas dire arrêt total activité au niveau de l'aéroport international tout ça l'ouverture là li vin mette responsable dans le pays d'Haïti dans une position pour agir. Pour agir vite. Pour agir parce que jodi a import là qui ferme en guerrier du sol n'est pas sans conséquence sur un ensemble de secteurs en pays. Ouais. Même gens ça et tout pour port notamment port principal là côté bateau pas rentrer avion pas rentrer et tout et puis un ensemble de bagages qui te connu sorti de l'étranger que nous conserver avec chaque jour yo vinn dans un moment tenter
en réduction de stock. Vous comprenez? Non, en second temps, guerrier, pas gagné du tout. Donc, il y a une nécessité qu'on y a là pour faire avion violet. Voler, pardon. Pour capable de gagner, entrer sous tienne dans le pays. C'est ainsi que la primature, à travers le chef de cabinet du Premier ministre Ariel Henry, ensemble avec la direction générale ANA, responsable au niveau OFNAC, et la mairie de Tabar, et puis le ministère de l'économie et des finances. Travaux publics également. Travaux publics, ils ont réuni au plus vite. Ils ont réuni au plus vite pour qu'on ait comment ils sont capables de réactiver le projet ça. Projet Mapalo qui est là depuis 3 mois, qui est venu à partir de recommandations compagnie française qui a construit la nouvelle tour de contrôle au niveau de l'aéroport international de Saint-Vertier. Comment vous réactiver? Parce que ces conditions sine qua non guerrier de seul, selon l'information nous disposée, que compagnie aérienne, compagnie assurance, ok, qui couvre assurance pour compagnie qui a vol sur Haïti, ou même posé pour être capable de continuer opérer sur Haïti. Bon ensemble de cailles qui n'ont environ un, faut qu'ils disparaissent parce que dernière attaque qui fait, c'est dans cailles ça yo, bandi yo tabli quartier général yo, c'est dans cailles ça yo bandi yo fait base yo et puis prend zam yo, l'ouvri sous infrastructure ça, l'ouvri coup zam sous avion qui sous tamak là etc. Donc yo estimé kaisa yo yo servi de cachette pour bandi yo. Donc meilleure façon pour capable faciliter patrouille fait dans deux portes là, faciliter bon contrôle dans deux portes là.